Apparemment, les cloches sont passées. Ah bon, bah regarde bien partout. Hein. Ah oh, bah ils en ont mis plein les arbres. Oh, bah il y en a partout là. Ah, oh, mais laisse-la donc chercher. Ah, on te suit avec Clémence. Oh, petit. Ah, bah, il y en a un autre. Est-ce qu'il marche aussi celui-là? Ah, bah c'était ça alors, Clémence, qu'on a trouvé. Tu vois, ah, l'autre il marche comme ça. Que quoi? C'est la plante rouge. Hein, Jeanne? La plante rouge. Regarde, il a deux lapins au chocolat. Ah ouais? C'est bon? Ah là-bas! Oh, elle en a même sous bubule! Oh là là, elle en a même craché sous bubule! Ah, ah ça! Alors c'est sans bubule ça! Ah oh bah il y en a plein là. Bah oui, il y en a plein tout, tout bubule. Attends, j'en ai vu d'autres. Là. Apparemment les cloches ont été... Bon. Ah, oh là, j'en vois d'autres là-bas. Allez, viens. Là. Venez. Ah, on fait le tour. Prendre le panier. C'est qui prend le panier pour moi? Ah bah là, il y en a plein d'autres aussi. Oh là là, il y en a partout. Ouais. Non, c'est pas mouillé en fait. Non, c'est pas mouillé. Moi, après, j'y vais, Olivier. Jeanne. Jeanne. Bon ben voilà, salut le Mont-Saint-Michel et le camping des Pommiers, je crois que ça s'appelle comme ça. Du coup là, je sais pas trop ce qu'on va faire, on va peut-être aller faire un tour à Cancale, voir le port, parce que c'est joli. Je vais essayer de faire 2-3 images là-bas, peut-être que ça vous donnera envie d'y aller. Et puis après, je pense qu'on va redescendre gentiment sur Nantes. En 2 jours, on a entendu parler d'un endroit assez... assez superbe, ça s'appelle le parking des 11 écluses. Donc il y a des promenades, c'est au bord d'un canal de la Vilaine et de la Rance, un truc comme ça, à côté de Aidé, Tinténiac, par là-bas, quoi, au nord de Rennes. Donc bon, on va aller faire un petit tour par là-bas et puis voilà quoi. Ok, allez, à tout à l'heure. Et voilà, nous voilà à Cancale. Alors, bah, d'habitude, les gens ils vont voir le port. Et nous, vu qu'on s'est garé dans un endroit, voilà, et bah, on va aller voir le centre-ville de Cancale. Alors là, il y a la poste, 1935. Super bâtiment, c'est énorme. J'aime bien. Chaque fois, je dis mon petit truc. C'est quoi? C'est quoi? C'est énorme ou alors c'est quoi? C'est impressionnant. Ah, c'est impressionnant, oui. Voilà. Voilà, voilà, quoi, Cancale, avec sa belle église. Les gens qui achètent les huîtres ici et puis en fait ils les mangent sur les marches. Bienvenue à Cancale. C'est pas cher. Thank you.
c'est cool. Salut Cancale. Hein. Et puis bah une prochaine. Allez, ciao. Pas des masses quoi, de rester sur le parking des 11 écluses. L'endroit est super, hein, c'est pas le problème. Ouais bon, moi, ce soir, je me verrais bien regarder un petit film sur l'ordinateur. Voilà, être un peu peinard quoi. Alors, rebelote, Park Fortnite. Application sympathique, et là elle nous emmène le GPS nous emmène dans un camping juste à côté de la tombe de Merlin l'enchanteur. Voilà, on n'est pas très loin de la forêt de Brocéliande, donc je pense qu'on se retrouve là-bas ce soir. Ça va être sympa, j'espère. Quoi, ça va derrière? Oh, ouais, ça va ou pas? Ouais, voilà, quoi. Ouais, par contre, il fait pas beau, quoi. Tu veux dire quelque chose, Jeanne? Non? Alors, je coupe. Ciao, ciao! Bon, bah nous voilà spotés, je crois qu'on va rester là. Bah, le camping est fermé, c'est dommage. C'est assez magnifique, il y a un petit étang là. On est au milieu de la forêt. Bon, bah l'élec en bas, elle est coupée, puis moi j'ai pas le matos pour braquer le compteur. Sinon, je crois que je l'aurais fait. Pour relancer un peu le jus, et puis... j'ai une rallonge de 50 mètres, donc ça l'aurait fait. Mais bon, bah, on va rester sans élec pour ce soir, et puis bah tant pis pour les films. Hein. J'ai essayé de faire quelque chose avec mon transfo, là, 12-220. Puis je sais pas où c'est, quoi, le tombeau de Merlin. À mon avis, ça va être dans la forêt, par là-bas. Là. Ouais, c'est cool, quoi. Super spot. J'espère qu'on va pas se faire braquer par je sais pas quoi, ou qu'on va se faire réveiller par des loups ou des bêtes. On sait pas quoi, mais en tout cas, je crois qu'on va rester là. Et voilà, petite séquence vie pratique. Donc bah, on est en autonomie. Alors évidemment, là je fais des pâtes, je sais. J'aime bien manger des pâtes quand je suis dans le camping-car. Du coup, j'ai ouvert le hublot, quoi, ça évite... Alors, je pourrais mettre la hotte, mais étant donné qu'on est en complète autonomie, je préfère préserver la batterie. Parce que du coup, la pompe est allumée, l'eau chaude, ça marche au gaz, donc il n'y a pas de problème. Le frigo, c'est bon, il est branché, il est au gaz. Là, les filles, voilà, elles sont en train de se laver les mains, pas de problème. Clémence, toi, tu fais quoi? Tu t'étrangles avec les écouteurs de papa. Voilà. Il y a mon petit transfo 12-220 qui est en train de recharger l'ordinateur. Voilà, et puis voilà, quoi.
Ah, faut vous l'envoyer. Bah, allez. Là, on s'étrangle pas avec le truc de papa. On va laver les mains. Voilà, pendant qu'il y a de l'eau chaude. Coucou la caméra. Alors Jeanne, donc c'est bien ou pas ce petit spot là? On est sympa, c'est sympa ici quand même. Hein? Oui. On est en toute autonomie. Vive le camping-car quand même. Hein. Oui, vive le camping-car. Et comment il s'appelle déjà ton camping-car? Bubule. Et son vrai prénom c'est comment? Odus. Voilà, voilà, on a le four aussi, on aurait pu se faire des lasagnes, mais bon. Des lasagnes ou alors un petit hachis parmentier, j'en rêve quoi, ça sera pour le prochain voyage, j'espère, on verra. Allez, ciao. Bon bah, je peux pas m'empêcher de faire un petit commentaire, j'espère que ça va faire plaisir aux abonnés qui aiment bien le camping-car. Je pense à une certaine Sonia Morsi qui est abonnée, qui disait sur la dernière vidéo, ouais, c'est dommage que vous ayez pas pris le camping-car quand on était au ski, je sais. Puis là, il vient d'arriver un truc, c'est assez rigolo. Des jeunes en camion qui sont arrivés, à mon avis, ils ont dû regarder aussi sur Park4Night ou je sais pas quelle application, qu'il y avait un camping ici. Mais le problème du camion aménagé, c'est que le camion aménagé, il a ses limites. Je pense aussi à un pote, GG, qui me faisait tout un tintouin là, sur son Volkswagen et machin. Ben ouais, mais sauf que dans ton Volkswagen ou dans votre camion aménagé, les gars, il n'y a pas de toilette. Et t'as peut-être une petite cuisine, tu peux peut-être aménager une petite cuisine. Mais là, quand on est au mois de mars et que t'as envie de partir en week-end avec la famille, et le truc, c'est que tu t'arrêtes pas n'importe où, quoi. Tu t'arrêtes dans un gîte, tu payes 60 balles. Et voilà quoi, tu peux pas être en pleine nature. Moi, je veux dire, nous on est peinards quoi. Il suffit de mettre le chauffe-eau. Et voilà quoi, la douche elle est juste ici. Hop, la douche est là, il y a les toilettes qui sont derrière. La cuisine elle est là. Et voilà quoi, on peut se permettre de squatter n'importe où quoi. Là, j'ai mis le transfo 12-220 pour recharger l'ordinateur. Comme ça, parce qu'on a pris 2-3 DVD pour Jeanne. Comme ça, ce qu'elle aime bien, regarder sa petite Reine des Neiges. Délivrée, libérée, ou je sais plus quoi. Donc, voilà quoi. C'est ça l'histoire. Donc, d'où les bienfaits du camping-car. Là, tu es en autonomie, en pleine nature, au milieu de la forêt de Brocéliande, à un quart d'heure du tombeau de Merlin. Bon, apparemment, les filles ont été en repérage. Et le problème, c'est qu'il a plu. Et en fait, il faudrait des bottes quoi, pour y aller. Donc, je pense pas qu'on ira. Donc, bon. Je crois qu'on se retrouve demain sur la route du retour, parce qu'il faut bien rentrer, hein, toute bonne chose a une fin. Et puis, je pense qu'on repartira, on est fin mars là, on repartira dans un mois, quoi. Parce qu'il y a les grands week-ends là, au mois de mai, les jours fériés, tout ça. Donc, ça sera l'occasion de reprendre petit pépère. Et puis voilà, quoi. Allez, ciao! Portable! Ouais, salut, mec! Super! Excellent! Yes! Énorme! Énorme! Attends, attends! Attends, j'arrive! Ça va, vous allez bien? Ouais, tu vas pas me buter, non, c'est cool. Il est pas ton champion, ça fait. Bon, ça va. Qu'est-ce que vous faites là alors? On vient juste pour aller le week-end de Pâques pour visiter un peu et puis. Comme nous quoi. C'est ça. Vous avez vu le tombeau de Merlin alors ou pas? On y vient, ouais. Et c'est où du coup? Alors nous on vient de là-bas donc on a fait. C'est là-bas? On a fait de la route un peu à travers les champs, mais sinon c'est plus par là-bas. Et normalement il y a un chemin pour y aller qui passe par cet endroit-là.
D'accord. Sur un des panneaux plus loin, il y a le chemin Tombeau de Merlin qui est indiqué par là, qui est à 1,5 km. Ah ok, bah super, génial. Bravo les gars. Vous êtes en camping-car aussi? Ouais. Et nous, on est garé au parking du Tombeau de Merlin. Ah d'accord. Ah ben bah, je... Ah ouais, bah je savais pas. Nous, on a débarqué ici par hasard. Moi, je me suis pas aventuré parce que j'avais vu la route sur Via Michelin, là, ou Google. Ah ok. C'était pas très large, alors je me suis dit, si on passe comme ça... D'accord, d'accord. Bah, je filme, hein, parce que je trouve ça hallucinant. Super, les gars. Bon. Allez, bah, bonne fin de soirée, ciao. Et voilà, bah, on a passé une nuit super calme, pas un bruit, on s'est fait réveiller par les petits oiseaux qui chantent. Et un peu de pluie quand même. Voilà, on est toujours super spotés, Auguste, nos sous-sailles, quoi. Pas de problème, c'est quand même un super coin. Coucou. Bah, pas tout cassé. Elle est où la petite? Enfin voilà, bah du coup on bouge. Et on va essayer, tout dépend du sol en fait, parce qu'avec la pluie, ils disent que c'est un peu marécageux. On va essayer d'aller voir la fontaine de Jouvence et le tombeau de Merlin, Merlin l'Enchanteur, quoi. On est à Brocéliande, c'est génial, c'est énormissime. Donc, bon, on va essayer de vous montrer tout ça, quoi. Allez, ciao. Trace autour de lui un cercle avec sa guimpe, c'est son voile, un long voile de tissu. Par 9 fois, la fée parcourt cette trajectoire pour achever son rite. Ainsi enferme-t-elle l'enchanteur dans un monde singulier, celui de l'amour. Si cet enchantement a pu se dérouler autour du tombeau de Merlin, comme cela aurait été possible ailleurs en Brocéliande, qu'en est-il de cet enserrement magique? Est-il fait de roches, d'air, de sentiments? Où sont ses limites, les dalles du tombeau? Ou les lisières de la forêt, de quel amour s'agit-il? D'un amour égoïste, partagé, universel? Donc c'est ici. Donc il est enterré ici. A priori, sous ces pierres. Avec du béton et du... Ouais, il y a trois pierres. Ah non, c'est là-bas! Ah non, c'est là-bas! Bah oui! Ah non, alors là, c'est la fontaine de Jouvence. Non, non, la fontaine de Jouvence, elle est un peu plus bas. Ah bah non, c'est ça, la tombe de Merlin. Ah oui. Ah bah là, ça n'a rien à voir. Ils ont mis des fleurs et tout, c'est fini. Il y a vraiment la teuf. Ah ouais, ils ont fait la teuf ici. En fait, a priori, il y a des Espagnols qui ont passé la nuit ici. Ils ont mis des bougies. Ils ont mis des bougies partout. Il y a des timos, il y a des chewing-gums, c'est dégueulasse. Ouais, ouais, ils ont fait leur petit rite et tout ça. Donc là, on est vraiment... Il y a Merlin l'Enchanteur qui est... Qui est en dessous. Là, il y a des petits trucs, il y a des petits mots et tout. C'est. C'est excellent. C'est marqué quoi? Yo te conguro, gran secoro de poder. Noche. Ah ouais, ils ont fait des rites et des machins. Oscura. Non? La nuit obscure. La nuit obscure, ouais, sûrement. Oscura, ouais. À la 12 de la noche. Il finit à 6 de la manana. De la manana. Bon, on va le garder, on pourra. Non, non, bah laisse-le là, t'es folle. Mais quoi? Bah non, ça se laisse ici. Sinon, tu vas être envoûté. La fontaine de l'éternelle jeunesse. Mythe universel, la fontaine de Jouvence procède d'une croyance en une fontaine habitée par une divinité. Telle que la nymphe romaine Juventa ou la fée celte Viviane, qui s'abreuve ou qui s'y baigne, préserve ou recouvre sa jeunesse. Voilà, on est juste à 30 mètres de la fontaine de Jouvence. Fontaine de Jouvence. 30 mètres. Alors là, il y a des espèces de rites, de trucs. Là, il y a les gens, ils mettent des petits cailloux, hein. Peut-être pour garder l'éternelle jeunesse. Ouais, voilà. Allez, bah nous aussi, on a mis notre petit caillou. C'est là. C'est là, c'est là. Et voilà.
n'y a pas grand chose à voir. C'est quoi ça? Ah bah il y a même des œufs de Pâques, dis donc. Bah moi j'ai pas hyper envie de la boire en fait. À vrai dire. On va dire j'ai pas hyper envie de la boire. Hein. Si baigner, pourquoi pas. Je crois qu'il faut aussi se tremper les. Ouais. Donc t'es foutu. Là, regarde, c'est là la fontaine de vie. Voilà. Vous voulez vous laver la tête, le visage? Ah bah il y en a même pour donner un lapin au chocolat à la fontaine de vie. Eh ouais. Vous devez être bien défoncé, hein. Jeanne, elle a envie de faire pipi. Bah c'est marrant quoi, les gens ils font des petits tas de pierres. Ça me fait un peu penser au chemin de Saint-Jacques de Compostelle. On est dans un lieu un peu solennel, quoi, un peu mythique et mystique. C'est rigolo. Donc voilà, bah ici s'arrête l'aventure pour ce week-end de Pâques 2018. On va rentrer sur Nantes gentiment, quoi. Peut-être qu'on va s'arrêter quelque part ce midi pour manger. On verra. Ou alors on va manger à la maison. Tout dépend des horaires. Je sais pas trop comment ça va se passer encore. Voilà. Petit bébé, il est là, pépère. 22 ans quand même. Hein. 22 ans, ça tourne du tonnerre. C'est impeccable. Forêt domaniale de Pimpon, autrement appelée forêt de Brocéliande. Et puis, bah, salut les internautes. Salut. Rendez-vous au prochain et... Allez, c'est parti.